fait. Allez. Et à Zidane. À Zidane, surtout. On est bien là. Il fait bon. Il fait bon, pour une fois à Reims. À Reims, ouais. Ouais. Du coup, on est bien là parce qu'on est dans le bar l'escale. Voilà, sympa. Sympa, ça a bien changé depuis la dernière fois que je suis venu quand même. T'as pris une petite marche la dernière fois. Allez, bon, ouais, c'est pas le genre d'histoire qu'on raconte. Le groupe s'appelle les fonds de bouteille, je pense qu'il y a des histoires forcément à raconter. Ouais, c'est dans les fonds de bouteille qu'il y a les meilleures histoires. Ah, bah voilà, ça vient de là du coup. Ça vient de là, ça peut venir de là, ouais. Très bien. Ça fait combien de temps que vous tournez maintenant, là? Ça fait un an qu'on a formé le groupe, un peu plus d'un an, et on tourne depuis un an. Ouais. Ça fait un an, quoi. Ça fait un an. Globalement, ça fait un an. C'est en gros, 12 mois, non? Ouais, un peu plus. Non, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que le groupe a pas mal évolué en un an. D'accord. On a réussi à... On est parti vraiment sur une formule de chanson, on appelle ça de la chanson qui tâche. Au début, on faisait que des reprises plus ou moins de chanteurs plus ou moins portés sur la boisson. Voilà, exactement. Et pas forcément des chansons à boire, mais des chanteurs, d'accord, portés sur la boisson. C'était le concept un peu fumeux du début. Oui, bah ouais, c'est facile, quoi. Ouais, pas mal. Manon en français, en chanson française, quoi. On a beaucoup. Ouais, voilà, c'est très ça. Non, l'idée, c'était surtout de faire un groupe qui soit proche du public dans l'approche de la scène, parce qu'on était vraiment... déjà, on est un duo, et même si maintenant on s'élargit un petit peu, on a une formule avec un groupe complet aussi, l'idée c'était vraiment de se la jouer duo, proche des gens, et dans les festivals, souvent on joue par terre, devant la scène. D'accord. Souvent on fait des interscènes ou des trucs comme ça, et puis on s'élargit même de plus en plus à l'art de rue, à des trucs comme ça, et c'est... Et on le sent quand on écoute surtout vos compositions, c'est des musiques qui poussent on a envie de chanter avec vous. C'est vraiment, il y a des voix derrière, on a tous envie de se lever sur un tonneau et de chanter avec vous. Quoi. C'est ce qu'on ressent, quoi, tout de suite, dès les premières écoutes. C'est assez festif, mais assez sérieux dans les paroles, et du coup, c'est ça qui est... Tout le monde se retrouve. C'est le but, c'est de la reprise. Et là, maintenant, vous partez plus sur la compo. Ouais, exactement, la balance, elle s'équilibre en ce moment, et puis bientôt, on aura un set... majoritaire en composition. Ouais, c'est bien parce qu'on est dans une grosse époque où la musique électronique, où les gens sont plus tout seuls à peuvent faire c'est le ressenti qu'on a en écoutant la radio ou les fêtes. Vous êtes là, vous arrivez avec des chansons à l'ancienne un peu. Ah oui, complètement. C'est aujourd'hui du coup qu'on modernise quand même. Alors, souvent on reprend dans les reprises, on reprenait des vieux trucs, des Brel ou des trucs comme ça, mais qu'on adapte et qu'on s'approprie parce que tu peux pas copier. C'est sûr. Et puis les spectateurs, ça fait plaisir trucs, parce que du coup ça leur parle. Ça touche un peu toutes les générations, c'est ça le principe. On a un bon exemple, c'est que sur notre EP, tout le monde aime une chanson différente, il n'y a pas une musique qui ressort vraiment chez les gens, c'est tout le monde aime celle-là. Sauf en live, il y en a une qui ressort tout le temps. Ouais, en live, C'est l'appart. Ah oui, j'avais dit tout à l'heure, j'adorais ça aussi. Non, celle-là, c'est marrant. C'est ouf cette chanson parce que c'est vraiment. Les gens découvriront quand ils verront l'EP, qu'elle parle à beaucoup de gens, surtout. En fait, c'est vraiment, t'as tout dit, elle parle à tout le monde cette chanson, c'est assez. C'est la plus simple et en même temps la plus vraie. Ouais, alors en fait c'est ça, elle est pas très littéraire cette chanson, c'est vraiment 100% de vécu par rapport aux autres qui ont un texte peut-être un peu plus recherché. Celle-là je l'ai écrite j'ai dû l'écrire en une demi-heure comme ça à la volée parce que c'est du vécu, tout est complètement vécu. Il y a une contrebasse, une guitare. Voilà. Vous avez d'autres instruments que vous jouez vous ou c'est avec d'autres formations comme tu disais tout à l'heure? On joue ça aussi avec d'autres formations. Par contre on fait pas que contrebasse guitare parce que Hugo il fait aussi les percus au pied. Donc il a grosse caisse claire au pied, plus l'harmonica, il fait tout en même temps. un peu Rémi Bricat tu vois, mais souvent on nous dit je rentrais dans le bar, je croyais que vous étiez 4 et en fait on arrive vous êtes 2 tu vois. Ils sont déçus mais contents en même temps. C'est ça. C'est une déception contrôlée.